Bonjour et bienvenue dans cette petite démonstration de la réalisation d'un paysage de sapin avec des pastels à l'huile. Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé une petite boîte de pastels à l'huile de la marque Van Gogh. La boîte contient 12 couleurs, ce qui est largement suffisant pour réaliser ce paysage de sapin. Concernant les pastels à l'huile, ils sont fabriqués à partir de pigments colorés mélangés à un liant d'huile et de cire. Ils peuvent être utilisés sur n'importe quel support. Cela leur confère de nombreux avantages par rapport aux aquarelles ou aux acryliques traditionnels car ils ne sèchent pas aussi rapidement que les acryliques et les aquarelles. Vous pouvez les superposer facilement et ils se mélangent aisément. D'ailleurs, les œuvres réalisées au pastel à l'huile sont souvent comparées aux peintures à l'huile ou à l'acrylique. Vous pouvez également les mélanger avec un liant, avec de la térébenthine, pour créer des lavis ou des glacis transparents. Mais ce que je préfère le plus dans ces produits, c'est qu'ils sont portables, donc on peut les emmener n'importe où. Les pastels à l'huile sont un excellent moyen de créer des œuvres d'art, car ils sont faciles à utiliser, portables et polyvalents. Si vous souhaitez en savoir plus à leur sujet, j'ai rédigé un article qui détaille leurs caractéristiques et leur utilisation. Le lien se trouve juste en dessous de cette vidéo. Et la bonne nouvelle, c'est que je prépare une formation complète sur les pastels à l'huile, comment les utiliser, comment réaliser de véritables chefs-d'œuvre avec des pastels à l'huile. Alors si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire à ma newsletter qui vous informera de la date de lancement de cette nouvelle formation. Vous serez les premiers à être informés de sa sortie et vous bénéficierez de tous les avantages liés à la participation au lancement de cette formation. Je vous remercie de regarder cette vidéo. J'espère que cette petite réalisation vous plaira et qu'elle vous inspirera et vous donnera envie d'apprendre davantage à utiliser le pastel à l'huile dans son ensemble. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis, vos proches, sur les médias sociaux ou sur d'autres réseaux. Ils pourraient peut-être être intéressés par cette formation sur le pastel à l'huile et je vous remercie vivement d'avance pour votre soutien. J'apprécierais également que vous me laissiez un commentaire sur mon blog ou sur la page dédiée à cette formation pour me dire ce que vous aimeriez apprendre de ma nouvelle formation. Je tiendrai compte de toutes vos questions et suggestions dans la préparation des cours de cette nouvelle formation. Rejoignez-moi dans cette belle aventure et je vous enseignerai toutes les meilleures techniques de ce merveilleux médium. Je vous dis à bientôt.